capitaine, nos hommes sont prêts. Nous pouvons déclencher l'attaque. Ne perdons surtout pas de temps. L'équipage de la Fulgurante vous attend. Monsieur Morgan, je vous confie le commandement du vaisseau. Messieurs, en avant! Qu'en pensez-vous, capitaine? Si nous attaquons la citadelle maintenant, nous éprouverons de lourdes pertes. Il faudrait faire exploser un baril de poudre sous l'une de ces tours. C'est une excellente idée, en vérité, capitaine. Mais qui serait assez fou pour s'y risquer? C'est du suicide. Vous ne pouvez pas demander ce sacrifice à vos hommes. Mais si, justement, vous le pouvez, capitaine. Nous irons planter ce baril de poudre. Décidément, vous êtes impayable. D'abord, vous me désobéissez en faisant monter la duchesse à bord, puis vous vous portez volontaire pour une mission périlleuse dans l'espoir de vous faire pardonner. D'ici 10 minutes, nous vous aurons ouvert une brèche. Adios, capitaine! Thank you.
Ce n'est pas le moment de flancher, matelot. Nous avons du pain sur la planche. Hein? Venez tous m'aider à pousser ce baril. Tout le monde est prêt? Viens, passez-moi la torche. Hein? On n'a pas de torche? Et avec quoi est-ce que je vais allumer la mèche? Faute de mieux, c'est l'idée la plus téméraire que j'ai jamais entendue, mais ça peut marcher. Allez, filez, moussaillon, courez vous mettre à l'abri. Hola, soldados españolos, muy estupidos. Hola. Je suis là. Vous n'avez pas les yeux en face des trous, ou quoi? Ah, bah le roi d'Espagne. Ne gâche pas tes munitions, c'est juste un perroquet. Cabrones. Regardons de plus près, amigo. Tu vois ce chapeau? Ce satané volatile appartient aux pirates. Concentrez-vous, les gars. Mon aïeul vise mieux que ça avec sa vieille pétoire. Non, d'un petit marsouin, ça a marché! Oh. En avant, compagnons, à l'attaque! Simon, fouille la villa. À vos ordres, capitaine.
À la tienne. C'est vite, capitaine. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ne vous souciez pas du butin, compagnon. Je veillerai à ce que vous repartiez tous les mains pleines. Trouvez-moi le gouverneur. Mission accomplie, à votre service, capitaine. Oh, Dieu soit loué. Je craignais de vous avoir tous perdus dans l'explosion de la forteresse. Ne vous inquiétez pas, capitaine. L'Espagnol qui réussira à me plumer n'est pas encore né. La grande faucheuse aurait bien aimé nous emporter, mais elle avait trop à faire du côté espagnol. Regardez un peu qui voilà. C'est le rat que nous avons attrapé dans la jungle, capitaine. Je suis très honoré de croiser à nouveau votre route, capitaine. Que fais-tu dans ces murs, soldat? Je vous attendais ici, capitaine. Je vous suis éternellement reconnaissant pour m'avoir laissé la vie sauve dans la forêt. Tu m'attendais, dis-tu? Et pour quelle raison? Pour vous aider, vous et vos hommes. J'aurais pu fuir avec les autres si j'avais voulu. Tu prétends agir par reconnaissance? Oui, mais pas seulement. Quand j'ai apporté votre message au gouverneur, il m'a remercié de 50 coups de fouet. Voyez. Vous vous rendez compte? Moi, Don Bartolomeo Diego José Francisco de Paolo González, fouetté comme un vulgaire criminel et jeté au cachot. Jamais je n'oublierai cette humiliation. Vous savez tout. Oh! Le gouverneur se sera impatienté? On n'a pas idée d'avoir un nom à rallonge comme le tien. Tu ne pourrais donc pas t'appeler Antonio, Pablo ou Mario, comme tout le monde, hein? J'ai soif de vengeance. Le gouverneur paiera l'affront qu'il m'a fait. Il a détalé comme un lapin. Sais-tu où il est allé? Il cherche à gagner Gibraltar à cheval par la côte. Peux-tu nous guider jusqu'à lui? Oui, je connais mieux le pays que les 8 malotrus qui l'ont emmené. J'ai juré de traquer ce misérable et de lui infliger le châtiment qu'il mérite. Je garde toujours sur moi une corde neuve pour le pendre à la grand-vergue, capitaine. J'ai hâte de les voir se balancer. Salas, tu vas porter un message à Monsieur Morgan. Dis-lui de nous rejoindre à Gibraltar. Fais vite. À vos ordres, capitaine. Thank you.
Regardez! Des traces de sabots fraîches. Ils sont passés ici, mais bientôt ils devront abandonner leur monture et continuer à marcher. Alors dis-moi, combien d'heures d'avance sont-ils sur nous? Je dirais 4 ou 5 heures, pas plus. Ah, nous les rattraperons sans aucun mal. En avant, l'ami! Nous n'arriverons pas à rattraper la troupe du gouverneur avant demain. D'ici là, j'espère que vous êtes parfaitement conscient des dangers qui nous guettent dans la forêt. De quelle sorte de danger parles-tu donc, matelot ? Je parle des bêtes féroces et des méchants sauvages qui peuplent ces forêts. C'est tout ? Tu m'as fait peur ! Je ne fais qu'une bouchée des sauvages et des bêtes féroces. Vous comprendrez bien assez tôt ce dont je veux parler. Allons-y, restez sur vos gardes. Ils ont remonté le torrent que vous voyez là-bas afin de brouiller leur piste. Ils sont sûrement en amont. Pourquoi te déchausses-tu? Nous allons remonter le torrent exactement comme eux. Nous inspecterons les rives pour savoir quand ils l'ont quitté et repris le sentier. Quelqu'un qui vient, j'ai entendu un bruit de pas. Sortez de l'eau et mettez-vous à couvert. Attention! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a lancé ces projectiles? Baleine bleue, c'est notre ami Leila et son compagnon à longue dent. Oh. Je vois que nous avons bien fait de venir, capitaine. Vous allez avoir besoin de notre aide. Comment as-tu fait pour nous trouver, Leila? Qui t'a dit que nous étions ici? J'étais sur le bateau quand Simon a apporté votre message. Monsieur Morgan l'a lu à haute voix. J'ai su immédiatement que vous n'arriveriez jamais à traverser la jungle sans l'aide d'une chamane et de son fidèle compagnon, alors nous voilà. Vous allez surtout nous ralentir, toi et ton gros matou! Capitaine, ni vous ni aucun de vos hommes ne connaissez la magie des habitants de la forêt. Nous avons d'étranges pouvoirs. Tu veux dire que c'est toi qui as fait exploser ces grenades? Ce n'étaient pas des grenades, monsieur Carmo. Observez les feuillages. Ce que vous avez pris pour des grenades, ce sont en fait les fruits des arbres. Quand les gousses sont mûres à point, elles s'ouvrent en explosant pour éparpiller leurs graines alentour. Emmenez-moi avec vous, la jungle recèle de nombreux mystères que vous ne pouvez pas connaître. Je te remercie pour ta sollicitude. En route, nous avons suffisamment perdu de temps.